Ça, c'est un son qui est fait avec l'oscillateur noise. C'est trop cool. T'entends ? Faudra couper ça, ça va pas. Et bim ! C'est parti. Bienvenue dans la boîte. Ah mon dieu, c'est le gardien du parc. Non, c'est juste moi. Quoi, dans Microfric? Dans Microfric, il y a fric, non? Magnifique. On en a déjà parlé, mais il y a une nouvelle mise à jour de firmware qui vient de sortir, le firmware V2. Alors, laissez-moi vous parler de cette mise à jour. Aujourd'hui, on va parler du nouveau firmware de l'Arturia Microfric, qui est le firmware V2 qui apporte un certain nombre de fonctionnalités vachement sympas, dont un nouvel oscillateur, un oscillateur de bruit, noise. On va retrouver aussi la possibilité de générer des accords, de les mémoriser et puis de les jouer sur le clavier. Et puis un truc vraiment très très cool qui est le fait qu'on puisse maintenant loquer le clavier sur une gamme en particulier. Et ça, c'est super facile à faire, vous allez voir. Un petit plus pratique, la possibilité de réinitialiser la matrice aussi dans ce nouveau firmware avec une manip très simple qui consiste à faire Shift, appuyer sur matrice et bim, tout réinitialiser et bim. Des fonctionnalités très très cool en plus. Si vous avez déjà un Microfric, vous pouvez upgrader votre Microfric existant tout simplement en allant dans le MIDI Control Center. C'est très simple, vous connectez en USB à votre ordinateur, vous allez dans MIDI Control Center et puis là vous allez avoir l'option qui va se présenter directement à vous pour mettre à jour votre Microfric en V2. Bien sûr, c'est une mise à jour gratuite. On va déjà regarder, attendez, parce que on peut prendre un son init là comme ça. On a déjà fait une vidéo sur le Microfric, d'ailleurs vous pouvez aller la regarder ici si vous voulez, mais pour aller chercher les oscillateurs, c'est très simple. Vous allez sur Type, puis vous voyez, il y a toujours ceux qu'on avait avant, hein, Wave Shaper, OPFM, Formant, etc. Et puis, en dernier, vous avez maintenant Noise. Je vous fais écouter comment ça sonne. C'est un mix entre un générateur de bruit et une forme d'onde de type triangle, sawtooth. Ça va vous permettre de faire à la fois des notes, mais aussi du bruit. Il y a des paramètres qu'on peut changer. La note, on peut la camoufler si on veut. Eh, puissant! Super! Comme d'habitude, sur le Microfric, on a la matrice de modulation, le filtre analogique, l'enveloppe bouclable, l'enveloppe qu'on peut mettre sur l'amplification ou sur le filtre, et puis surtout un arpégiateur et un super séquenceur. Je voudrais vous parler vite fait de la fonction qui permet de mémoriser des accords. Ça aussi, c'est cool. Avant, on avait à sa disposition un oscillateur spécial, qu'on a toujours d'ailleurs, qui s'appelle Chords. Chords, c'est lui. Et en fait, il permet d'aller choisir un accord. C'est chouette, mais on ne peut pas vraiment choisir son accord, quoi. Alors que là, maintenant, on peut mémoriser un accord. Je vais me mettre en paraphonique. Si je veux cet accord-là en particulier, je ne l'ai pas dans la liste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le créer. On voit que c'est actif parce que vous voyez, il y a un tout petit clignotement ici. Ça signifie que le mode accord est activé. Je le réinitialise en appuyant ici, et puis hop, c'est parti. Donc ça, c'est pratique si vous voulez enregistrer des accords et puis les jouer tout le long du clavier. Autre fonction très intéressante, quand on va dans le menu Utility et dans Preset, maintenant on a la partie Scale, où on peut avoir une gamme majeure, mineure, harmonique mineure, Dorian, Mixolydian, Blues ou Pentatonique. Et donc ça, ça permet de forcer le clavier sur une gamme en particulier. Donc si je la mets sur Harmo mineure, j'aime bien l'harmonique mineure. Hop. Ensuite, je vais choisir ma note de base, root note. Je vais la mettre en ré.
mort par décapitation. T'as vu Aladdin, Jean-Michel? J'aime bien parce que ça fait un peu Aladdin. C'est qui le génie de la lampe? C'est toi? Comme tant d'autres choses, ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, mais ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Dis-moi où il faut que je te frotte, que je fasse mon vœu. Et ce qui est bien, c'est que même les touches noires vont faire les notes qui sont dans la gamme harmonique mineure de Ré. Ça fait les bonnes notes. On peut pas se planter de notes. Jean-Michel, qu'est-ce que tu fais dans ma salle de bain? Sors d'ici tout de suite! Normalement, à ce moment-là, avec cette musique, il y a une jolie jeune fille qui prend sa douche, mais là, vous n'avez que moi. Je suis désolé. 1 milliard de likes, je vous rappelle que je me mets tout nu. Je rappelle, sur la même vidéo, pas sur toutes les vidéos, sur la même vidéo. Et le dernier truc qui est sympa dans ce nouveau firmware 2, c'est qu'il y a 64 nouveaux presets qui sont livrés avec, et bien sûr, ça envoie vraiment. Je les ai chargés à partir du 166. C'est cool. C'est bizarre ça. Ça, c'est un son qui est fait avec l'oscillateur noise. C'est trop cool. Ça aussi. Nouvel oscillateur aussi. Voilà, c'était le nouveau firmware V2 du Microfreak d'Arturia. Si vous êtes intéressé par ce nouveau firmware, vous pouvez aller sur le site d'Arturia ou démarrer le MIDI Control Center comme je vous ai expliqué. Et si vous voulez plus d'informations sur le Microfreak, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Vous aurez des liens vers l'Algam Web Store si vous voulez l'acheter. Faites-vous plaisir! Et oui!
Bon, puisque c'est dans la boîte, n'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner et de faire toutes ces sortes de choses, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non! Non!